tout le monde, c'est Lucie. Aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing avec mon partenaire, donc partenariat de la société Craft Ease. Alors, déjà, deux, trois petites choses. Désolé pour le bruit de fond, si vous entendez, mon voisin passe la tondeuse, hein, il a le droit. Donc, vous pouvez peut-être l'entendre en bruit de fond, je ne sais pas. Et deuxième chose, je suis... encore malade et du coup je peux parler du nez, donc je peux avoir une voix bizarre, voilà, juste pour vous tenir un petit peu au courant. Donc, partenariat avec la société Craft Ease qui m'ont contacté et ils m'ont proposé, ils me proposent à peu près tous les mois ou tous les deux mois une toile et là ils m'ont proposé de faire un custom, c'est-à-dire un DP personnalisé, puisqu'ils font ce genre de DP aussi sur leur site. Donc, j'ai accepté avec plaisir pour pouvoir tester tout ça. DP personnalisé, donc je leur ai envoyé l'image que je voulais. Après, je leur ai dit, bah, à vous de choisir la taille, hein, pour voir en fonction en fonction des tailles, vous avez plusieurs tailles, et vous aviez des diamants ronds ou carrés. Du coup, moi, j'ai voulu tester les diamants carrés. Et au niveau de la taille, je leur ai dit, bah, je vous laisse choisir en fonction de l'image. Voilà, comme ça, on verra tout ça. Donc, je sais que c'est Craftis puisqu'il y a la fragile. Eux, ils font toujours ça. Et ici, hop, il y a les références, donc custom, hein, 30 par 50. Ils m'ont envoyé un 30 par 50 diamant carré. Voilà, on va pouvoir voir tout ça ensemble. Du coup, ils m'ont envoyé ça le 3 mai et aujourd'hui, on est le 20 mai. Allez, donc ouais, ça prend un petit peu plus de temps parce que c'est un custom, je suppose, un personnalisé. Donc, il n'y a aucun problème. On va voir tout ça. Donc, je suis trop contente de tester les carrés. Alors, petite précision, je leur ai demandé si dans leur... Diamond painting personnalisé, ils mettaient, parce que vous savez que eux, leur, la boîte elle a un petit peu mangé au transport. Hein. Vous savez que eux, une de leurs particularités sur leur site, c'est qu'ils mettent des strass spéciaux. Et j'ai vu maintenant sur certaines toiles, pas toutes, des AB. Donc, je leur ai demandé si leur diamond painting personnalisé, ils mettaient ce genre, soit des strass spéciaux, soit des AB. Et ils m'ont dit que non. Donc, parce que c'est assez spécifique du coup, et ils m'ont dit de bien vous le préciser pour pas que vous soyez induit en erreur. Les diamond painting personnalisés, il n'y a pas de strass spéciaux ni d'AB dedans. Comme ça, au moins, vous le savez. Allez, on va voir ça. Donc, ouais, la boîte, elle a un petit peu mangé quand même. Hein. Hop, donc dedans. On va voir. Alors, maintenant que j'y pense, je vous mets en barre d'infos. J'ai un code promo chez eux de 20%. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, là, j'y arrive. Hop. Les diamants. Et c'est bon. Ok. Alors. Donc, on va voir comment ça se présente. Voilà l'image que j'ai choisie. Donc attendez. Me revoilou, j'avais oublié de prendre l'image. Donc c'est Vaiana que j'ai choisie. En fait, je vais la faire pour ma petite nièce adorée. Et j'avais choisi hein, la Reine des Neiges, Vaiana, enfin voilà. Plein de petites princesses Disney. Et elle a choisi celle-ci pour mettre dans sa chambre. Donc je vais lui faire ceci. Donc en 30 par 70. Attendez, je découvre avec vous hein, le personnalisé chez ce vendeur. 30 par 70, ouais, ça fait pas tout à fait 30. L'image en elle-même, elle fait. Attendez, je me mets au bord. Elle fait 29,5. Elle fait pas 30. Et 70, ça me paraît. Non, n'importe quoi. Je vous ai dit 30 par 50. Pourquoi je dis 70? Et au niveau du 50, on est à 49,5. Hein. Donc c'est plus du 29,5 par 49,5. Donc voilà ce qu'elle donne. Avec la lumière, ça reflète sur le papier. Alors ce qui est bien, c'est que c'est du papier transparent. Donc les rivières, ça va être nickel. Donc ça colle
super bien. Je vous fais voir les symboles. Regardez, bon, les symboles, c'est très très net. Donc elle est bien imprimée pour les diamants carrés. Alors là, on a l'image qu'ils ont mis ici. La toile, elle est très très épaisse. Elle est très très bonne qualité. Ouais, vraiment très bien. Donc ils ont mis leur logo là. Ici, on a la table des matières. Ici, on a leur, leurs différents réseaux sociaux. Et le nom de leur site, craftease.com. Donc, ouais, ce niveau-là, nickel. Alors, la table des matières, il y a le nombre de couleurs. Donc, j'ai 37 couleurs. Il y a les symboles et il y a les DMC. Et du coup, je regarde au niveau des symboles, ça a l'air très, très net. Donc, au niveau du toolkit, on a deux assez gros pains de colle, deux mousses, un stylet avec un multiplaceur de 3 et une pince, voilà, et une petite barquette. Voilà au niveau du toolkit. Alors, ça se présente comment? Dans un sachet, c'est assez bien présenté, hein. C'est très propre. Donc on a une feuille de route, ça c'est top. Ça c'est très bien. Les couleurs, je suis trop contente qu'elle ait choisi cette image-là en fait, ma nièce, parce que... Ah, c'est du rose, adore. Bien choisi, ma louloute. Alors. Donc. La feuille de route, elle se présente comme ça. Donc, ça reprend l'image, 30 par 50. On a encore la table des matières avec eux qui ont checké les diamants. Donc, moi, je vais revérifier. Et là, ils donnent les instructions hein, pour faire du DP. Donc, on commence à connaître. Alors, au niveau des couleurs et au niveau, surtout, des carrés. Alors, on a... C'est très très bien imprimé hein, sur les sachets. Au niveau des carrés, regardez ce que ça donne. Donc c'est cool, on va tester ensemble. Celle-ci, on l'a fait ensemble pour tester les carrés de chez Craftis puisque je n'ai pas encore testé de carrés chez eux. Puisque leurs toiles qui sont déjà faites chez eux sont en rond. Et là, effectivement, on va pouvoir tester les carrés. Alors, je vais prendre un petit crayon. Est-ce que j'ai un crayon sous la main? Ben non. On va checker ensemble, ça va être assez rapide. Hein. Alors, 971. 2, ça c'est bon. 352. 3, 3, 6. Ça c'est bon. 38, 23. 4. Ça a l'air... ouais, c'est assez qualitatif quand même. Hein. 38, 27, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est bon. 33, 71. C'est ça, hein. 33, 71. 5. 754. 38, 55, 4, 38, 64, 3. En plus, celle-là, je vais pas tarder à la faire parce que ma nénette là va vouloir l'avoir dans sa chambre assez rapidement. 223, 1, 722, 2. 814, 4. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont déjà pris des carrés chez ce vendeur. J'aimerais bien avoir votre avis. 36, 87. Ouais, avoir votre avis dessus. Sur les carrés. On sait que chez certains vendeurs, c'est quand même pas top. Donc là, j'espère vraiment ne pas être déçu. Alors là, de visu comme ça, ils ont l'air bien taillés. Après, bon, c'est toujours pareil. C'est la pause. Là, j'ai les 310. Je vais faire bon. On voit pas grand-chose. Ouais. On voit pas grand-chose. Comme ça, ça a l'air pas mal. Après, à voir, j'ai envie de vous dire. 632. 1.
8, 62, 900, 2, 817, 1, 169, 1, 38, 28, 1, 407, 2. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'ai 15 blancs. 38, 65. 38, 26, 2. C'est quoi ça? 7 sur 83. 1. 356. 1. 413, 1, 38, 58. Je suis pressée de commencer ça là. Hein. 37, 43. Pour vous donner mon avis sur les carrés. 38, 61, 2, 720, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 894. 19. Je pense que c'est ceux que j'ai le plus et c'est un beau rose. Trop bien. Ah, j'en ai... ah non, ça se trouve c'est ceux-là. 37, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23, c'est ceux-là. Ouais, en fait, les couleurs principales, c'est le rose. Trop bien. 918, 4. Et enfin, 921, 4. Alors, est-ce qu'on a tout? Ben, c'est parfait. On a tout, il manque rien. Voilà, bah écoutez, je vous la refais voir comme ça, même si on voit pas. C'est trop trop bien quoi, le papier transparent. Et je vous dis là, la toile là, elle est d'une épaisseur. L'arrière, elle est nickel. Très très bien. Bon, on va la commencer rapidement. Pourquoi j'ai un bout de. C'est quoi cela? 38-26, je les avais. Oui, je les avais checkés. C'est bon. Ok, bah écoutez. Moi, j'espère que cet unboxing vous a plu. Je suis trop contente de tester une nouvelle chose, moi. Donc, je vous fais des gros gros bisous. Et puis, on se retrouvera pour faire la toile ensemble. Allez, à bientôt tout le monde.